That's Alex. His thing? To make you happy. His friend Elaine is a designer, and he sure knows about sneakers. Together, they will take your sneakers and turn them into treasures. Their goal? Making you unique. The only limit? Your imagination. They will do their best to make your sneaker dreams come true. So, if that's a fit for you, stay cool and take in the sneakers. Brussels is the capital of Europe, and it's also a cultural crossroad, so it's the ideal place to establish our workshop. We have no time to lose, because Alex has already found someone who needs customized shoes. On est le premier jour et j'ai déjà trouvé un client pour Alain, ça veut dire qu'il va travailler directement. Who's the man? Mon gamin s'est blessé suite à un échauffement. Et je m'en veux un peu, en fait. Parce qu'il a atteint un problème de croissance, donc il grandit trop vite et du coup il a des fragilités au niveau des genoux. Il s'échauffe et il se fait une double fracture, quoi. Ben voilà, c'est un peu pour me faire pardonner qu'on lui proposerait éventuellement une paire de baskets. Mon fils, c'est un fan des Celtics, donc faudra de la couleur verte, okay. du blanc, du noir. Mmh. Son joueur fétiche des Celtics, c'est Rajon Rondo, numéro 9. Put it in the book, baby! Put it on the reel! Le trèfle à 3 feuilles, à 4. Ouais. Plus c'est dingue, plus ça m'amuse. Donc, laisse-toi aller. Ce serait chouette d'avoir du cuir de ballon de basket. Ah, alors pas mal. À un endroit où tu pourrais le mettre, là. Pas mal. Et tu voudrais pas que je rajoute un élément, je sais pas s'il a une vareuse des Celtics. Ouais. Un truc qu'il a, un truc à lui, en fait. Ok, ça, je vais essayer de te trouver, mais je te garantis pas. C'est pas mal qu'il ait un élément de personnel que je puisse intégrer à la chaussure, quoi. L'histoire de Nathan me touche personnellement parce que c'est un de mes anciens joueurs, parce que je connais bien son papa et je compte sur toi pour le coup, pour lui faire vraiment une des plus belles sneakers qu'on ait jamais fait. So, to sum it up, we have to find the Celtics green, Rajon Rondo's number 9, the three-leaf clover, and leather from a basketball. And we can't forget about the jersey. Good luck. Alan always starts by peeling off the soles. Sometimes he does this with a utility knife, and sometimes he uses acetone. But be careful, acetone burns rubber. This is really high precision work, and you can't make any mistakes. The second step is to undo each stitch. This can take a lot of time. Don't forget to number each piece. You can easily get lost when you have to put it all back together. J'ai pour toi la casquette des Celtics. Je ne sais pas si tu peux faire, parce que le papa aime beaucoup ce genre de trèfle. Tu vois le relief, tout ça. Enfin, et le treillis. Il faut faire avec celui-là. Et puis c'est bien, ça veut dire que comme c'est un double, on aura du bleu pour que tu en fasses un pour moi. On va aller voir un ami à moi pour un ballon de basket. Je pense que le petit Nathan va être très content de ce qu'on a fait avec cette Jordan. Once the cap has been cut up, it's time to stick it on. We stick the material from the cap onto the shoe's upper front and side using contact glue. And then he creates the number 9 and the shamrock. These are elements which he wants to highlight, so he's very detailed in his work with them. Once he sticks the leather on the cardboard module, the magic starts to work. The number 9 and the clover start to appear. This step really needs extreme precision. You have to smooth the material down right,
the best is to use a stylist to make the best of your efforts. The sneakers are starting to take shape. C'est un entraîneur, et c'est justement l'entraîneur de Nathan qui va nous donner le ballon de basket. C'est bien, tout le monde se met ensemble pour faire le plus beau des cadeaux. Il est là. La caverne d'Ali Baba, là. Ouais, ça c'est un bon brin, par contre. Ça, je pense qu'Alain serait content d'avoir ça. Mission accomplished, Alex. The basketball has been delivered. New material for Alan. He has to create the pattern and then cut into the basketball. As always, everything must be done with precision. But you can always unleash yourself on the ball. The same fate awaits the jersey. Conclusion: don't ever give anything to Alan because he cuts everything up. Pour cette deuxième paire, on va avoir droit à un emblème du hip-hop puisque c'est le premier à avoir chanté en rap français. Il faisait partie du groupe Benebi, aujourd'hui c'est un DJ des plus reconnus, il s'appelle DJ Dalike et c'est The King of DJ comme il s'appelle. On va faire pour lui un vrai défi, je sens que ça va être beau. Difficile mais beau. Ouais. Et Alexis, bien encore. Bien. Tranquille. Merci d'être venu, Alain. Ben, merci à toi. C'est l'autre Alain qui va être content que tu sois là. Voilà, je t'ai amené les deux paires. Je ne sais pas laquelle des deux il va pouvoir customiser le mieux. Je ne sais pas, tu vas voir avec lui en haut. Je t'en prie, tu prends l'escalier et tu peux monter tout en haut. Tu t'arrêtes pas, apprécie-le toi. Bien ou pas ? Tranquille. Tranquille ? C'est un plaisir de venir chez toi, là. T'as vu ? Cool. Alexis, quand il m'en a parlé, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que lui pourrait me faire une paire exclusive. Faut dire que je suis un grand fan de sneakers. Depuis les années 80, je collectionne vraiment tout ce qui est en rapport avec l'old school, tout ce qui m'a touché quand j'étais assez jeune dans le rap, le hip-hop, et notamment j'ai découvert via Run DMC. Et donc, avec Adidas et la Superstars, pour moi, c'est un emblème très, très fort pour moi au niveau hip-hop. Et donc, je me suis dit, pourquoi Alain ne customiserait pas une paire d'Adidas Superstars. Donc, je n'ai pas vraiment d'idée. Je t'ai amené deux paires. Moi, je préférerais prendre celle-ci. Parce que, enfin, comme tu disais, tu parlais de Run DMC. Ouais. Celle-ci, elle représente plus Run DMC. Exact, ouais. Bon, en tout cas, je te fais 100% confiance, donc ça, il n'y a pas de souci. Okay. Cette paire-là, je l'ai ramenée expressément du Japon, donc c'est un modèle de Superstar qui n'existe nulle part ailleurs qu'au Japon, c'est sorti que là-bas. Je te la laisse entre tes mains. Let's summarize the situation. Our challenge is to fully cover these Adidas Superstars with 24-karat gold leaf. And here's another requirement. We have to incorporate Run DMC's image in the shoe, a symbol for Daddy K. Sur le dessin, c'est magnifique, alors j'imagine même pas en vrai, ça va être un truc de ouf, quoi. Direct, elles vont finir au coffre-fort. Ah oui, j'espère. Hein. Obligé. Bah, il faudrait quand même que tu les mettes, je sais pas, quand tu iras voir Rihanna, Jay-Z. il a déjà conquis mon cœur, j'ai envie de dire, donc je suis impatient de la voir en tout cas, et je sais que je vais pas être déçu, ça c'est sûr. This is a great challenge that we've undertaken for Daddy K. But we lose focus on the Jordans because Nathan needs us. We airbrush the sides in white. We can finally start stitching. Alan has decided to echo the basketball in the finishing touches and the jersey in the upper side. The shoe comes together step by step. But there is a problem. Nathan's shoes are taking longer than planned. They have to be presented tomorrow. Alex is under pressure. Salut Chris, c'est Alex. Ouais. Comment va? Mais je voulais savoir si on pouvait pas un petit peu reporter la date pour la remise de la chaussure. C'est impossible, d'accord. Mais non, 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 elle sera prête, hein, ne t'inquiète pas, pas du tout. Non, 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 ah, non, 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 c'était juste pour savoir. Ciao, ciao, ciao.
Ciao. Et merde. J'ai eu Chris en ligne et on peut pas retarder la date, donc ni l'heure, ni quoi que ce soit, puisque l'entraînement a une heure fixe et on va donc se préparer et je vais devoir presser Alain pour qu'il termine. Je vais arrêter de rigoler et on va aller bosser. There are only 24 hours left to finish Nathan's sneakers. Alan has to hurry, but each stage demands precision. He has to knot each stitch. And as we know better than anyone, it's in the finished product that you recognize talent. The night will be very long, very long. Revenu 2-3 heures après pour terminer la sneakers. On est tous revenus en fait. Ouais, on est tous revenus. Vu tout ce que j'ai fait ce jour-là. Attends, j'étais regardé à gauche, j'étais regardé à droite, en face. J'étais bien regardé. Il s'est endormi. Il s'est réveillé de façon style Schtroumpf grognon. Ah bon? Ah non. Ah si. Ah si. Moi. Il est 6h36. Il faut qu'on vienne tout à l'heure la terminer parce qu'on n'a pas eu le temps de la finir. Enfin voilà, la nuit sera courte. À tout à l'heure. It's 10 a.m., only 6 hours to go. Alan is concentrating on the finishing touches. You have to let the contact glue rest for more than 10 minutes. This is very important for the sneakers to hold properly. Even more so when it's about sports shoes. They have to be reliable and tough. The Celtic Jordans are finally coming to life. Je mets dans le sac, je prends juste une petite douche, je me change et on y va. Ouais. Mais on n'a pas le temps, mec. Mais vite, vite, 5 minutes. 5 minutes. Attends, moi, je transpire comme un malade. Je suis parti. Je vais y aller, je suis même pas coiffé. Non, mais non, si, y a si, pas. Si, si, je vais. Mais on s'en fout, on n'est pas des gonzesses. Mais non, mais j'ai travaillé toute la journée, je sens le fennec. Et alors, moi? Ouais, mais toi, c'est toi. Moi, c'est, toi. On y va, tu mets dans le sac et on y va. Alors, je change de t-shirt. Si tu veux, je m'en fous. Ok, ça va. Allez. Et tu changes dans la voiture. Ok, ça va, ok. Je t'attends, je suis super relax. Vas-y Alain, tu peux faire ça en marchant. Bon ben voilà, on est à quelques minutes de lui remettre ses chaussures. Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur le coup, il n'y a pas eu une seule fuite, donc il s'attend vraiment à rien. Et moi j'ai déjà eu l'occasion de les voir, les chaussures, franchement, elles sont pas mal. Ça risque d'être assez comique. En plus, ses copains sont là, donc ça va être très, 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 très chouette. Pendant tout ce temps, il n'y a vu que du feu. Et j'espère que la surprise va marcher et que ça va lui plaire. After a month and a half of effort, everything is finally in place. Alan and Alex are in the back. The surprise is going to be great. Je voulais juste vous présenter Alain Mukendi. C'est un designer. Ok. Par contre, lui, il recherche quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Nathan ici? Nathan. Nathan. T'es fan des Boston Celtics? Les fans, Pibe? On va voir si t'es un vrai fan. C'est quoi le logo des Boston Celtics? C'est Celtics. Ok. Et je vois que t'es un numéro 9. C'est qui le numéro 9? Ok. On a une petite surprise pour toi, il faut que tu saches. Parce qu'on sait que tu as été blessé l'année passée au basket et avec ton équipe et surtout tes parents, s'il te plaît. On a une petite idée pour toi. Une petite surprise, mec.
Waouh, oh putain. Voilà. Alors il faut qu'Alain te dise que, regarde bien, je vais te montrer. Ça, c'est un ballon de basket du Fraîcheur. Tu vois, ça, c'est un cuir qu'on a fait. Ça, c'est un de tes anciens treillis à toi. Tu vois, ça, c'est une de tes casquettes. C'est une casquette qu'ils ont découpée, le tissu d'une casquette. Et... oh, putain. Et puis même, si tu prends l'autre, je vais te montrer quelque chose de génial. C'est qu'elles sont faites pour toi, mec. Wow. Tu vois, il écrit Nathan. Voilà, petit gars. Voilà. C'est la part de ton papa et de ton frère. Je suis super content. Je prends une photo avec mes chaussures devant la télé et avec les Celtics derrière avec la coupe de l'NBA. Magnifique, magnifique. Voilà, yeah, les gars. Tellement de... d'éléments dessus et tellement de... de recherche que franchement bravo, c'est voilà, magnifique cadeau, magnifique souvenir, et je vais arrêter là, je vais encore pleurer hein, sinon. On voit que la chaussure est vraiment personnelle, donc ça c'est vraiment incroyable, il pourrait avoir des souvenirs de ça toute sa vie quoi, et je trouve que c'est vraiment génial. Donc, c'est bizarre de... Parce qu'en général je suis au courant de tout de ce qui se passe, et là je ne comprends rien donc... On t'a eu. Mais voir son fils ému, ça c'est... ça fait bizarre hein. Magnifique, merci les gars. Il n'y a qu'une seule paire au monde et c'est la mienne. C'était émouvant quand même. Ah, c'était bien. Vraiment, voir la maman. Ben, la maman est hyper émue, le père, le frère. Et Nathan, surtout. Ouais. Et les autres joueurs, t'as vu comment ils étaient? Ouais. T'as vu comment tout le monde... Il a sorti la chaussure et tout, on a fait « Waouh !» Il va falloir qu'on commence la chaussure de Didi. Et assurer de la même façon, par contre. À fond. Un peu plus... comment ne pas te brusquer? Rapide. Ouais, c'est ça, c'est le mot. Rapide. Tu connais ce mot-là, rapide? This time it's a huge challenge, sticking gold leaf over the whole shoe. A demanding task. The purer the gold, the more difficult it is applying without tearing. With 24 carats, it's a real accomplishment. Après concertation, j'ai proposé à Alain de remplacer les trois bandes de la marque Adidas par les trois lettres Run et DMC. J'assume toute responsabilité. Et je croise les doigts pour que ça plaise à dédiquer. Salut Alain. Hello. Je viens voir où t'en es avec Laure. Comme tu sais, j'ai été chez la professionnelle là. Ouais. Qui m'a un peu expliqué ce que je devais faire et ce que je devais pas faire. Ouais. Et donc j'applique ses conseils. L'avantage d'une chaussure d'un objet à la feuille d'or, c'est que c'est vivant, vous voyez. Ouais. Hein, il y a vraiment un accrochage qui se fait de la lumière en fonction des volumes. Et il faut mettre ça vraiment en couche et très très mince. C'est pas mal hein. C'est déjà beaucoup mieux. Alain is reassured. He can now concentrate on the finishes. The real problem lies in the volume and the shoe material. He has to adapt to this embossed surface. You have to be very careful about details when you start to work on the edges. You can't forget the finishes are what determine the sneaker's quality. The gold is highlighted even more thanks to the spray varnish. It intensifies the lighting effects. The shoe is now customized. It only remains to be reassembled. A different technique will be used for this sole. You have to stick with it and then sew it on with an awl. Just so you know, this instrument has existed since the Paleolithic era.
when it was used to sew animal skins together. It's always good to learn something new, right? Il nous reste 3 heures pour terminer la chaussure de dédicace qui nous attend au studio radio à 18h. On part d'ici à 17, il est 14, ça fait bel et bien 3 heures. 3 heures d'enfer. 3 heures de travail. Pas vrai, Alain? C'est le stress. Pas vrai, Alain? A final detail, sticking the gold edge on the sides. And the last touch is Alan's secret. Glow-in-the-dark letters. All to dazzle Daddy K, even in the dark. Je suis un peu stressé, j'espère surtout qu'il va apprécier le travail parce que je sais pas... J'ai le nez dedans depuis tellement de temps que je suis arrivé à un stade où je sais plus si c'est bien, si c'est pas bien, s'il va apprécier. Une grande première pour nous quand même. Hein. La première fois qu'on fait de l'or sur une chaussure et j'espère que le travail sera apprécié, que ça va aller. J'espère, mec. Je stresse. Bon, on y va. Avec Dédiqué et le S, la nuit du R&B. Contact R&B, DJ Dédiqué et le S, on est là tous les jours de la semaine, bien entendu, sur Radio Contact, de minuit à 2h, pour du bon son hip-hop R&B. Ah, et je vois des invités. Les studios sont envahis, j'ai envie de dire. Invité surprise, j'ai envie de dire Alain Mukendi et Alexis qui viennent me rendre visite. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Alain Mukendi et Alexis ont une émission qui s'appelle Sneakers, qui sera bientôt disponible en télé bien entendu, et ils m'ont customisé une paire d'Adidas en or, totalement en or, avec des diamants, enfin la totale. Je vous propose en attendant d'écouter un petit son et puis on vient tranquille, je vous parle tranquillement de ce fameux cette fameuse chaussure en or. Hello, putain les gars. Bien quoi, content de te voir. Tranquille, ouais. Putain, ouais. Ça vraiment va. Bah, je t'ai amené ton petit précieux. Non, déjà le sac il me fait mal au cœur. Hein. Putain, non mais dès que je vois un truc avec le logo RNDMC, je perds la boule. Hein. Je te le dis déjà. Bien, c'est mon enfant. Ton nouveau-né. Putain, magnifique quoi. Waouh. Bon, déjà le sac c'est bon. Ouais. Bon, le sac c'est bon. Le sac, bah, tu vois, il est pas en or le sac. Honnêtement, c'est une belle surprise. Bon, je m'attendais à un travail bien foutu, ça c'était sans problème avec Alain, mais là je suis plus que surpris. Attends, là je suis sous le choc là, tu vois. Ah ouais, putain, il y a écrit Run, mais c'est une idée géniale quoi. Run DMC, truc de dingue. Putain, les mecs. Non, truc de dingue. Et puis l'idée de mettre Run DMC, si Adidas nous regarde, franchement, vous devriez le faire. C'est une idée de ouf, de ouf, de ouf. Il y a le D et le K pour avoir une... Mortel. Je vous respecte jusqu'à ma mort, ça, même jusqu'après même, tu vois. Combien de temps t'as mis pour la finir alors? C'est 8 mois maintenant que tu... Ça me touche vraiment, donc avoir cette paire exclusive en plus, c'est juste, voilà, il n'y a pas de mots. Merci, merci vraiment du fond du cœur. Vous n'avez pas hésité sur les moyens, et en plus le résultat est de ouf, il n'y a qu'une paire au monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. C'est la mienne. Want your unique pair of sneakers? Join us on Facebook. Don't lay me down.
C'est fini de faire le con, tu viens?